y a de ça encore un an, j'avais une vie à peu près normale. Je vivais dans le quartier le plus cool du monde, Brooklyn. Représente ! J'avais deux parents super, et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé, quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spider-Man aussi, qui n'était autre que Peter. C'est fou, hein ? Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne, et je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Comment c'est trop cool! Attendez! Cool, merci! Pas de problème! Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin? Ouais, peut-être bien! Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas, un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau, au cas où. Le convoi. Espérons, je suis plus très loin. À tout de suite. Faut prévenir maman que je suis en retard. Miles, que tal? Est-ce que t'as fait les courses? Salut maman. Ouais, mais il y avait plus de lait de coco à la bodega. Je suis dans une boutique du centre. Oh, merci. Et évite Midtown. Mon voie de prisonnier bloque complètement la circulation. Oh ouais, bonne idée. À ce soir au dîner. Bisous. Ah, comment il fait, Pete, avec son identité secrète? Ça, je me ferais, c'est pas possible! Here.
Ok, du calme. Du calme. Tu vas aider Spider-Man à protéger un convoi géant de prisonniers. Tu peux y arriver. Inspiration, expiration. Du calme. Ouais, je fais le plein de carburant. Comment t'arrives à boire? Sans très attention. Ok, en voiture. X2 en route avec cargaison lourde. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du rap l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens complices de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture, ou peut-être Scorpion, ou peut-être quelqu'un de plus gros. Ok, là, on a un problème. Non, Mike, laisse-moi. Je m'en occupe, vite, t'inquiète. Mike, non. C'est sécurisé. Dérivé, Elite. Le poids est mal réparti. Corrigez vers le droit, vite. Le manche ne répond plus. On va se cracher. Elite 2, on s'écrase. Elite 2 va s'écraser. Accrochez-vous. Elite 2 écrasé. Aucune victime. Cargaison compromise. Équipe d'intervention déployée. Accrochez-vous, Elite. Vite. Je suis désolé, je voulais pas. C'est pas grave, on gère. Faut juste l'empêcher de s'ouvrir avant. Avant que ça n'arrive. Salut, les petites araignées. Vice, on va passer à la côte. Vice, c'est libre.
pas trop t'emballer, Alexei. Je crois que c'est un rhino. Bah, désolé, les joyeuses fêtes, hein. Pete, sur une échelle de 1 à 10, comment on s'en sort? 10 pour les actions hyperclasses, 1 pour limiter les dégâts. Ah, j'ai pas hâte de voir la une des vieux gueules demain. Si on s'en sort juste avec une petite dans le journal, on aura de la chance. Exécrable menace. Ah, trop simple. C'est une affligeante, consternante. Ça vous va à ravir, ce monsieur. C'est bon comme menace. Ça. Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Carré. Micro, d'onde est-ce? Il est déjà tard. Allô, maman? Ouais, le lait de coco. Je cherche, mais je trouve pas. C'est le chaos, t'as pas idée. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Ouais, désolé, j'essaie de choper un métro. Mais rappelle-toi, c'est pas bien de mentir. Prends une brique et rentre en vitesse. Sima, viens dans mon tien. Moi aussi, je t'aime. Maintenant, jamais, Mike! On doit l'arrêter! Ok, j'arrive! Immobiliser et vite! Ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça! Oh, pas bon! Pas bon du tout! Pete, est-ce que ça va? Non! Non, non, non! Ça va! Je m'occupe de lui. On vient vers toi. Tiens-toi prêt. Ok. Ouais. Il faut pas... un peu de temps. Yeah!
commence à être tendu ici. La police et les prisonniers se tirent dessus. Bref, pour filer un coup de main à la police, je peux tenir encore un peu. Vite, trop sur moi. Je dois arrêter ces types. Ça vient ce truc ? Des électrolytes ? Des espèces de champs magnétiques ? Tu survis là où mon mentor succombe ! Comme c'est surprenant ! Et toi, tu utilises tes mots comme foyer, écrasé, très surprenant ! Tu dois t'empêcher de blesser les innocents ! J'ai hâte de voir comment tu vas t'y prendre, sale microbe ! Faut arrêter de bousculer tout le monde, Alexei. Deux araignées écrasées d'un seul coup. Cache-cache! Non! Non! Je déteste de jouer à cache-cache!
T'es vivant ? Plus ou moins. Messieurs ? Waouh, c'était... Waouh ! Simon Krieger, directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement, désolé, je crois que notre ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terrassé Rino, en solo. Tira loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrivent. Oh, le devoir m'appelle. Hé, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Laissons la police faire son boulot. Ouais. Ouais, ok. De la bioélectricité ? Waouh ! Moi, je vais pas te mentir, je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince. Ouais, désolé, je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça ? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh ! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné ! Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hé, j'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein ? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux ton serment ? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi ? Que c'était de l'impro ? À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York.
un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Essaie-le. Je te couvre. Quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un changer à Central Park? Alors? C'est comment? Wow! Miles Morales! Félicitations et bienvenue dans ta première super tenue! Va dans le centre-ville pour l'épisode 2 de cet incroyable cadeau! Et c'est qu'une moitié du cadeau. C'est quoi l'autre moitié? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Bienvenue dans État de fait, en compagnie de votre pourfendeur de mensonges préféré, J. Jonah Jameson. Quoi? Pete programme ses tenues pour se connecter à l'émission de Jameson? Et Mazo? Triste nouvelle, cher. Mon spectacle de charité de Noël a été annulé pour cause de bouffonnerie de justicier en costume. Il y a sûrement mieux à... Ah, on a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Dani Cara et vous écoutez le DaniCast, où je dresse le portrait des gens qui rendent notre ville meilleure. Le sujet du jour... Oh, on pourrait parler des traders, des facs à but lucratif, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable raclée infligée à Rhino par deux Spider-Man. Je m'abonne, le DaniCast, mon nouveau podcast préféré. Arrivé. Pete a prévu tout un tas d'appareils. Miles, tiens-toi prêt pour ton tout premier entraînement holographique. Il y a des défis dispersés un peu partout dans la ville. Chacun permet d'apprendre de nouvelles techniques. Ici, on se concentre sur l'improvisation acrobatique. Positionne-toi pour commencer. Un nono entraînement ? Mais ouais, à fond! D'abord, le combat aérien. Pour prendre avantage, rien de tel que d'apprendre l'ennemi selon tes conditions. Maintenant, enchaîne avec une attaque en l'air. Maintenant, un de mes préférés, le coup de pied latéral. Les hologrammes, c'est le futur! Avec les bonnes pièces, je pourrais les rendre transportables. Lancement d'une attaque de mêlée. Allez, je vais décoller, Mike. Autre pouvoir d'araignée de base, le désarmement. Les ennemis
des armées sont beaucoup moins nombreux. C'est hyper jouissif de les cogner avec leurs propres armes. Faut se faire plaisir. Bon, d'accord. C'est hyper classe. Merci, Peter Parker. Maintenant, on va combiner ces deux mouvements. Qu'on peut revoir. Oh non! C'est Spider-Man! Descendez-le et prenez le matos! Alors? Virez l'araignée et prenez le matos! On va tout reprendre et se faire un max de tuiles! Précise un truc! C'est de la technologie Spider-Man officielle! Vous êtes pas autorisé à la revendre! Simulation. Faille critique sur le circuit AF-15. Kernel en détresse. Je vais relancer le BIOS. Super. Ça a marché. On dirait que Pete a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Faudra que je regarde quand j'aurai un peu de temps.
un tour par Roosevelt Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par effraction. Ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que... Le moyen le plus rapide de gagner un combat à main nue, c'est de pas utiliser ses bras. Dans ce défi, tu dois saisir des trucs, les faire tourner et frapper tes ennemis avec. Tu peux utiliser les objets, les armes de tes ennemis et même les ennemis eux-mêmes. Chaque coup te rapporte un point. Approche du point de départ quand t'es prêt. Un entraînement au lancer. Super. Je suis prêt. Désolé, ça a coupé. Donc, on parlait de ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique ou de l'électricité statique ultra concentrée. Waouh ! Faut qu'on lui trouve un nom. Pourquoi pas puissance bioélectrique ? Ça sonne bien, non ? Ok, c'est pas mal. Faut que je file. Voilà. D'abord la plaza et après je rentre. Oublie pas, puissance bioélectrique. Ça claque. Hey,
Wedge, ce défi va te permettre de t'entraîner au lancement. Passe tous les points de contrôle avant la fin du temps. Approche-toi du point de départ pour commencer. Tu vas y arriver. Oh, je suis à fond motivé. C'est parti. Hé, ça te dit de t'entraîner au lancement ? Voilà. Les lancements sont un pouvoir d'araignée indispensable. Tu peux balancer avec des voiles, même si t'es blessé, les lancements peuvent te permettre d'aller encore plus vite. J'ai entendu parler de ces pigeons. Tu t'en sors comme un chef. On se voit dans le prochain défi.